Bonjour les chéris! Alors là pour nous c'est. En fait c'est une première parce que hier soir on a mis toutes les deux les stores. Et là la voisine, voilà! En face à l'abri! Faut que j'oriente le micro. Ah ouais! Je vais passer la frontière brouillée! Entre les deux stores! Youp là! Salut tout le monde! Ouais, ben c'est qu'en fait, c'est la pluie qui m'a réveillée, je pense toi aussi, la nuit. Oui, oui, oui. Et puis, toutes les lanternes ont bien évidemment grand ouvert, parce qu'il a fait très chaud hier. Donc, vite, on se lève pour tout. Lanterneau, store. Là, le store reste ouvert, voilà. C'est la première fois qu'on se prend une bonne pluie comme ouais, ça. Ouais, ouais. On a penché un peu, comme ça, ça fait... Ça fait cool. Comment on appelle ça? Gouttière naturelle. Alors moi, vers l'extérieur de ce côté, écris ça pareil à pencher de l'autre côté pour que ouais. ça coule là-bas. Ouais. Bon, voilà. Bon, mes tables, chaises sont restées dehors la nuit, mais c'est pas grave puisqu'ils étaient sous le store, donc ça a été abrité. Ça ne pose pas de problème. Moi, c'est juste. Voilà. Et là, aujourd'hui, on avait envie d'aller visiter Alzey. Je crois que c'est un peu râpé. Ouais. Ouais, c'est du tout gris. Bon, c'est pas grave parce qu'on a pas mal de travail à faire, Christa en couture et moi en crochet. On vous en parlera bientôt parce que nous sommes attendus le 10. Le 9 en fait, la veille. Oui, on a chez une amie bouc-crosseuse allemande. Tu raconteras après, je vous filmerai, oui, vous inquiétez oui, pas. Non, mais qui fait un truc super sympa, donc on va y aller. Ça va être chouette. Ouais. Un jaune de troc privé, voilà. Là, c'est à voir parce que c'est assez exceptionnel. Voilà, ça sont les babouches de Madame. Et Madame est là. Alors là, c'est la Christa que j'ai connue depuis toujours. Voilà, une machine à coudre, du tissu, du fil, tout autour d'elle. Parce qu'attends, il y en a aussi là. Et voilà, elle recrée ce monde-là exceptionnellement quand elle est en camping-car. N'est-ce pas, ma chérie? Ouais. Et de temps en temps, il faut un peu de violence. Alors, ça, vous voulez savoir ce que c'est? Je vais vous dire ce que c'est. Ça, ce sont deux gros morceaux de tissu blanc. Et vous savez d'où ça vient, ça? Ça vient du lit pavillon, c'était le rideau du lit pavillon, tout blanc, joli comme tout. Et j'ai récupéré deux morceaux comme ça et je vais me faire, je sais pas, ou une jupe ou une robe avec ça. Vous voyez, j'ai toujours des idées complètement farfelues, mais ça s'appelle la récupération, voilà. Donc, elle a transporté sa vie de sédentaire couturière à une couturière itinérante. Voilà, exactement. Exactement. Et Domino, mais... des fois, oui, il m'embête. Des fois, il fait rien. Tout à l'heure, il s'est couché carrément sur la jupe que j'étais en train de coudre. Du coup, je ne pouvais pas avancer. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, il arrive là. Voilà. Eh ben tiens, il a trouvé et là, c'est la gamelle de Cassie. Cassie n'a pas fini. Et il a l'habitude, Domino, de finir la gamelle de Cassie. Voilà, je lui amène avant que ça s'abîme. Ouais. Domino, quelles sont tes impressions sur... voilà, interview, vous avez entendu. Interview exclusive avec Domino en train de manger la gamelle de Cassie. Voilà. Alors, nous allons quitter Foxy et nous allons voir qu'est-ce qu'il y a l'autre côté. Dring, dring. Oui. Dring, dring. Oui, qui c'est? Ah, nous avons ici. Et attendez, je vais monter. Ah, voilà. Ça y est, t'arrives à rentrer. Cassie. Salut Cassie, dis bonjour. Elle monte la garde. Elle monte la garde. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Ouais, bon. Hein?
sans plus, voilà. Et puis ensuite, nous avons... Ambre, qu'est-ce que tu fais de beau, toi? Ah, je suis en pleine activité, toujours pour notre rassemblement du 10. Donc, j'essaie de faire un plaid qui est bien démarré. Je m'active. Orange et noir, ouais. Voilà. Et en même temps, j'écoute un livre. Tu écoutes un livre, t'écoutes quoi? J'écoute Divergente. C'est le premier volume. D'accord. Et c'est bien, c'est agréable d'avoir un bouquin en même temps qu'on travaille. J'aime beaucoup Audible. C'est la première fois que tu as un livre chez toi? Eh oui! D'habitude, je prenais des livres. Ouais. Et là, bah, j'ai pris un livre audio. Ouais. C'est encore une nouveauté dans ma nouvelle vie. Alors, mon atelier prend moins de place que le tien. Effectivement, c'est plus vite et plus facile à ranger aussi, ouais. Oui, mais pour l'instant, là, ça grandit, ça prend un peu de poids. Hein, je pose bien sur la table. Non, mais ça s'active, ça va. Et tu as dit, ça va devenir quoi? Un petit plaid? Un plaid. Je vais essayer de le faire le plus grand possible pour que ce soit quand même quelque chose de correct à présenter le 10. J'ai fait aussi... Ah, c'est pas finalisé. Ça, c'est pour offrir à notre hôtesse des chaussons. Oui. Voilà, il faut que je les finalise en les cousant, etc. Oui. J'espère que ça lui plaira. On verra bien. Oui, certainement, ça va lui plaire. J'aime beaucoup la couleur. On verra. Ouais. Voilà, il faut que je couse ça. Et tu nous montres le résultat final quand même. Hein. Ah ben, normalement, le 10, le jour J. Oh. Le jour où il y aura le rassemblement, normalement. Voilà. Parce qu'on arrive le 9, mais le jour J, c'est le 10. C'est le 10. Donc, le 9, on ne sait jamais si j'ai pas tout finalisé. Tu peux toujours finaliser les 9 de la soirée. Voilà. Et ça, encore un truc. Donc, ça, c'est Chrissa qui me l'a finalisé. Donc, c'était une robe, parce que je sais qu'il y en a qui ça intéresse toujours. Donc, c'était une robe à bretelles et que j'ai voulu transformer en jupe. Comme Chrissa était sur sa machine à coudre, j'en ai profité. Elle m'a fait l'ourlet. Et là, bah, il faut que je mette l'élastique. Et voilà. Donc, comment une robe devient une jupe. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. On fait la récup, on récupère des choses. Premier coup, les ciseaux. Deuxième coup, la machine à coudre. Et allez, hop, c'est une jupe. Voilà comment on occupe notre journée. En tout cas, la journée continue mieux qu'elle a démarré parce qu'il pleut plus. Et on a eu une bonne surprise tout à l'heure. Il y a un monsieur. Oui. Éboueur, hein? Ouais. Enfin ramasse, c'est je sais pas comment on appelle les gens qui ramassent les ordures dans la rue. Vous savez qu'ils ont un sac et puis qu'ils ont une espèce de manche avec de une pince et tout ça. Ouais. Parce que ça, c'est vrai que l'Allemagne a cette faiblesse des poubelles et j'ai pas envie de prendre des autoroutes à chaque fois que je voyage pour avoir des poubelles. Mais là, vous voyez, bon, c'est une aire avec borne et tout, comme on vous a montré. Mmh. Et il n'y a pas de poubelle. Il y a des poubelles pour le verre, pour les vêtements, pour donner des vêtements. Oui, mais terminé, il n'y a rien d'autre. Oui. Là, c'est le point faible de l'Allemagne. Ouais. Ça, j'apprécie pas. Hein. Et donc, le monsieur, il est venu tout à l'heure. Il nous a dit bonjour gentiment. Il est venu avec son sac. Oui. Il nous a demandé si on a des boubelles. Des déchets à jeter. Et il m'a expliqué gentiment que quand il passe ici, parce qu'il fait les rues ici, il passe, il voit des camping-cars, il vient demander directement au camping-cariste parce que justement, il n'y a pas de poubelle ici. Qui est motivé par son travail. Ouais. Et en plus, souriant, ce qui ne gâche rien, un monsieur sympathique. Voilà. Moi, je n'avais pas prévu de donner mes poubelles, donc elles n'étaient pas prêtes. Il a attendu vraiment de façon sympa. Bon, j'ai pas mis 10 minutes, mais bon, il a attendu avec le sourire. Et ça fait du bien des gens motivés par leur boulot, quoi. Ouais. Et puis, c'est un boulot assez ingrat, quand même. Oui, mais bon. C'est pas un boulot. Moi, je traite tout le monde pareil. Moi, que ce soit un éboueur ou un ingénieur ou je sais pas quoi, je m'en fous, moi. C'est un être humain. Moi, la seule chose que je vois, moi, s'il y a une chose que je regarde, il arrive avec le sourire. Voilà. Donc, c'est terminé. Donc, voilà. Et puis, il rend service. Ça se trouve qu'il le fait ça de sa propre initiative. Ça, c'est sûr, Il va pas, je pense pas que c'est la mairie qui lui a dit, mais elle va ramasser là et là. Quand les jeunes avaient. Fait leur cochonnerie avec leur espèce de sac, un peu comme McDo, qui en avait partout. Ouais. Les mêmes personnes qui font le même boulot,
Ils les ont surtout pas vus. Ils n'ont surtout rien vu. Ouais. Alors nous, petit à petit, avec le vent, bah moi, j'ai ramassé les cochonneries, j'ai mis à la poubelle dans des poubelles d'immeubles. Hein, donc, normalement, j'aurais pas eu le droit d'aller dans ces poubelles-là. Ouais. Mais bon, les mecs, ils avaient pas ramassé. Non. Donc, ce monsieur-là... Et en plus, ce monsieur-là, il était à pied. Et puis, à Herzheim, ils avaient la machine. Oui, ils avaient le véhicule, ils avaient la balayeuse, voilà. Et je les ai vus passer... Je les ai vus passer une fois avec la machine. Ils ont ramassé les bris de verre d'une bouteille. Ah, c'est tout. Voilà. Alors, Cassie, elle est retournée sur sa place préférée. Tu surveilles ma Cassie? Ouais. On la voit pas très bien à contre-jour, là. Là, on est pas mal à contre-jour parce qu'il y avait beaucoup... D'un seul coup, il y a eu beaucoup de soleil. Tant mieux. Ouais. Et donc, j'ai fermé là-haut, j'ai fermé un peu partout. Pour récupérer un petit peu de fraîcheur. Ouais. Et puis surtout, je suis accrochée à ma création, là. T'es accrochée au crochet. Ouais, exactement. T'es accrochée au crochet. Accrochée au crochet. Ah ouais, non, mais là... Le crochet te rend accrochée accro. Je veux absolument faire quelque chose de correct, parce que c'est trop petit. Non, c'est joli. Là, ça serait le bled pour un tout petit chat. Ou un chaton, voilà. Mais non, même pas. Non, je veux un plaid pour un être humain. Bon, allez, je te laisse à tes occupations, à ton accroché. Voilà. Et puis, je tente de retraverser le joli rideau dans l'autre zone. Oh, et en fait, vous avez vu, regardez comme elle a fait pour l'accrocher. C'est pas joli, ça. C'est chouette, j'aime beaucoup. C'est vraiment sympa, ça. Ça, c'était une très, très bonne idée qu'elle a eue, la Ambre. C'est super. Allez, à plus! Eh bien, la journée de lundi, c'est fini en bricolage, hein, couture, crochet, etc. Aujourd'hui, mardi matin, ben, avec Cassie, on démarre à l'abri de cet arbre. À l'abri de ce bel arbre qui nous protège un petit peu de la pluie. On avait prévu de visiter Alzey, c'est très très compromis puisqu'il pleut encore. C'était prévu dans la météo, bon ben voilà. Hein. Donc on va encore continuer couture, crochet. D'un côté c'est pas mal parce que la date butoir c'est vendredi pour mon plaid. Donc vraiment il faut que je m'y attelle. Hier soir j'ai crocheté encore pas mal de temps dans la soirée. Et on reprend la route demain. De toute façon, il faut qu'on prenne la route demain parce que nous sommes attendus chez une dame vendredi. Il pleut. Tout va bien. Ça arrose un tout petit peu les plantes. Ça fait du bien. Ciao, ciao! Belle journée à vous tous!